voulais ça, je vous l'ai déjà dit, moi j'avais peur des filles. Je me disais, bah la femme est mauvaise. Du coup, j'avais peur des filles au collège. Donc j'étais tombé amoureux d'une meuf, quoi. Bon, c'était dead. Et après, il y avait une autre fille que j'avais croisée, j'étais en mode, waouh. C'est vraiment le truc du. Comme dans les cartoons, quoi. Choc-barre. Ouais, c'est ça, j'étais choc-barre, frère. Quand je la croisais, que je passais à côté d'elle, j'avais mon cœur qui battait la chamade. Elle s'appelait Clémentine. Et je me souviens d'un jour, on était devant le collège, comme ça, en train de traîner comme des loubards. On était avec des potes. Ouais, ok, il y a un mec qui veut nous chercher la demeure. Non, il n'y a pas intérêt, c'est normal, on est le Fight Club. Et là, qu'est-ce que je vois qui passe? Clémentine. Je fais bluff, je suis un loubard, tu vois. Ouais, je la calcule pas, je parle avec les gars. Ouais, attends, encore hier, ils étaient 17. Ça fume de la peuclos, ça fume de la roulée. Moi, je suis comme ça. Bon, la fille de ma mère, il a de la chance. Elle est entre ses jambes, assise aussi comme ça. Il y a les potes, ils font get. Le mec, il commence à lâcher tout un petit peu. Le man, il passe sa main sous le t-shirt. Et là, on se dit, ouah, le fils de pute, il commence. Nous, on était trop énervés. J'étais en mode, ouah, le bâtard et tout. Il commence à toucher un nibs et tout. Ça m'a fait mal. Ça, je vous le dis aujourd'hui, je l'ai jamais raconté à personne. Je me confie aujourd'hui. Voilà, je le dis. Bah, ça fait mal. Dites-vous que quand vous touchez un nibar à une meuf parce que vous êtes avec elle, eh ben, ça fait peut-être mal à quelqu'un qui est secrètement amoureux, mais qui a pas les couilles, qui a pas la confiance pour venir et pour se battre. D'accord? Je t'aimais, Clémentine! La femme de Gis qui va voir le replay dans le remote. Non, mais c'est bon, ma femme, elle est pas jalouse. On lance l'épisode. Il vous en reste un. J'en parle sur le temps du monde, nani nana. Mais moi, j'étais terrorisé des gonzesses. Et le truc, c'est que à partir du lycée, j'étais drôle. Les gars, c'est bon, on va arrêter de se mentir, on va pas faire les trucs. Oh, les gars, je suis drôle. Bien sûr que je suis drôle. Je suis comme ça, je me promène. Putain, il est trop drôle. Mais ouais, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Au lycée, je me sentais un peu chaud, tu vois. J'ai cette arme de destruction massive qui est l'humour. Je suis un tueur. T'as vu comment? C'est horrible, hein? Ah ouais? Non, j'en peux plus des gosses. Ah ouais? Eh oui. Allez. À tout à l'heure. Et du coup, ouais, du coup, voilà. Du coup. C'est bon? Oui. Ah, ok. Je sais plus où c'est qu'on en était dans toute cette histoire. Et donc, le football, oui! Non, attends, vous trouvez pas que quand même, que Cristiano Ronaldo Prime enterre Messi, enfin. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Devinez qui c'est? J'ai un petit problème au niveau des chicots, je crois. Ah, 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 je suis le sans-visage. À quoi ressembles-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Je m'appelle Johnny, je suis un vétéran de l'armée, effectivement. Et aujourd'hui, je suis tout simplement ce qu'on appelle un dur à cuire. Je n'ai peur de rien. Si je dois sortir les gros calibres, je les sortirai. Pour en finir avec les méchants, comme j'aime les appeler, en restant poli. Faut savoir que je suis un grand solitaire, donc travailler en équipe, c'est peut-être pas mon fort, mais je ferai un effort, ça rime. Et je roule également en Harley Davidson. Voilà. Mon chemise, on est dans le Jumanji ou quoi? Les gars, c'est juste un petit look de vacancier. Je reviens de Center Park. Je vais pas commencer à déboutonner parce que j'ai pas envie non plus que vous vous branliez dans le chat. Frère, ça fait 6 ans que je me suis pas rasé, vraiment. J'ai en cosplay Tom Hanks, seul au monde. Je suis désolé, Wilson! Je suis désolé! Tout le monde a un coffre? Ah ouais? Récolté. Bah pas de coffre pour moi, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris, pas de coffre pour moi. Par contre, ce sera VF ou Jap pour moi, hors de question, regardez en VO. Ah oui, non, moi je vois pas en anglais. Hop. Je ne savais pas que dans le monde de One Piece, il y avait des Apple Watch. Dis Siri, où est le One Piece? Koraya, création originale ukulélé by Jiraya. Excusez-moi. Oh les gars, vous avez qui en face? Un des plus grands paroliers. Création originale by Jiraya, comme si Zermage allait être repéré par la nouvelle star. Allez, n'oubliez pas les amis que ce soir il y a le nouveau Koraya. Gigi, grosse question, si tu fais un leak dans un parc, est-ce que ça fait un Linkin Park? Très très drôle, bravo, on peut l'applaudir. Et moi, tout ce que je sais, c'est que tu vas continuer de photographier des greluches toute la journée. Oh, merde! Vous pourriez être jalouse comme ça, vous, si votre conjoint, il fait des photos? Je m'adresse aux gonzesses, d'accord? Et il va faire des photos pour du parfum, qu'est-ce qu'on a à branler, quoi? Si ma gonzesse fait ça et que le mec essaye de la toucher, je l'enterre vivant, donc faut pas prendre le risque. Ok, Alpanx, y a pas de souci. Personne avait demandé, mais y a rien, quoi, c'est juste des photos, frère. Il y en avait grosses sur la patate. Je suis un professionnel. Bien joué, Alpanx, te fais pas emmerder. C'était juste professionnel? Quoi?
Karine, c'était un mannequin avec qui il m'avait trompé il y a 2 ans. Ah, bon, ok. Ok. Ok, on retire, hop. D'accord, il y a un passif. Non, les gars, vous fait effet ou quoi cette chemise? Je vous excite ou quoi là un petit peu là? Je vois tout le monde qui en mode la chemise, les gars, bien sûr qu'il s'est fait péter une petite chemise. Je vous montre mon outfit. Je suis en outfit total, ouais, ça va, je suis en pantalon. Ah, j'ai un look un peu babos là, je peux fumer des roulés quoi, mais bon. Indiana Jones, bah un petit peu, on a un petit peu ce côté Indiana Jones, ce côté aventurier quoi, ce côté coquin, si je puis me permettre. Et on est d'accord qu'en vrai, je vais faire mon weeb. Ce genre de truc, ça peut sonner qu'en japonais, quoi. Imagine, Crow Zero adapté en film français. Voilà, je le dis. Dans le rôle principal, Danny Boone. Voilà, c'est dit. Danny Boone face à Cadmerad. Voilà, je le dis. Le monde change, c'est fou. Et reste le même malgré tout. Car il faut tous les attraper. Ça, c'est David, ça. Ça, c'est les larmes, mesdames et messieurs. Pokémon Jolto. On va tous être... Ah, attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui est avec nous. Vraiment, si je te croise, gros, la vie de ma mère, écoute-moi, mère. Regarde, si je te croise, tu vas voir qui c'est David Lafarge, on l'a viré, le rôle là. Oh là, bro, c'est bon, vas-y, c'était une vanne. C'était une vanne, David, je voulais pas. Ah, dis, non, c'est bon, bah vas-y, on n'écoute pas. Il dit, bon, bah pour vous épauler dans l'émission qu'on va réactiver avec cette cellule, je vous présente Elgatobot. C'est elle qui va pouvoir vous guider à travers la ville. En revanche, elle va pas sur le terrain. On n'a pas envie que vous la cassiez. À certains endroits de sa cuisse, il y a comme des impacts de balles. Ben, Serge, au début, pensait que c'était un mannequin pour d'entraînement et donc on s'est rendu compte qu'elle avait une. Je tire 2 bastos en l'air. Elle a l'air très limitée, ce Serge. C'est mon modèle. Et là, il a le tatouage de Serge sur l'épaule. Il n'est pas terminé. Mais là, il y a la yoku droite de Serge. Regardez quand même ce que j'ai reçu, je suis obligé de vous montrer. Il est là, il est des nôtres. Mariage arabe. Et bravo, le fiston il se marie. Pitié Alicia, parce que là, la plupart du temps il attaque Alicia, regarde. Hop, Alicia, c'est gagné, voilà, il tape Alicia, il a perdu. Je pense que ça sera testé, ouais. Non mais, ça arrive 75% du temps, il ne tape pas Galion, je te jure, ouais, que c'est vrai. Et donc là, regarde, hop. Et les gars, c'est gagné. Mets un Léo en défense là maintenant tout de suite et tape ton propre Léo plusieurs fois. Ah bah bien sûr, regarde. Regardez bien, le Léo, je vous le dis. Il va sur Alicia là. Il va sur Alicia. Sûr. Ah, c'est sûr, il va sur Alicia là. Non, par contre c'est mon Léo, mais mon Léo est en violence. Vas-y, refais parce que là c'est juste pas de chance. Attends, mais oui, c'est juste pas de bol. Regarde bien. Non, attends, refais parce que c'est pas de chance. Attends, je te promets que ça m'arrive jamais, il tape toujours Alicia. Regardez-moi ça. Attends, on est où? Attends, mais c'est un cut là que je fais. Attends. Je me doutais bien que c'était impossible. 6-6-7, équipe à fond, le chat, équipe à fond. Tournant comme des hélices, Fox et Negro, Campus, Tarpado, GC, Nice. Quoi? Wow, bro, qu'est-ce que tu me fais dire? T'es un ouf ou quoi? C'est pas moi, c'est Inia, les gars. C'est Inia, c'est une dinguerie, j'ai rien dit. Sur ce français, combien se mettre un petit doigt dans le cul? Wow. Combien sont fiers de leur sexe? Alors le chat, hein? Pas fier du tout, personne. Un mec est traumatisé qu'il est là dans le chat. Non. Mais qui est vraiment fier à part Norman Genius de son sexe? Ah, quelle belle journée pour moi et ma bite. J'ai une belle bite, mais j'en mérite une mieux, j'ai juré. Attendez, mais quel genre de message je viens à lire dans le chat? Et attendez les gars, j'ai un putain de vocal de Zank qui me dit qu'il va me sucer la bite, hein. Je rigole même pas. Hein. J'ai bien envie de te la prendre bien en bouche. Ton anaconda, putain, qu'est-ce qu'elle est bonne, putain. Mais il est malade. Les amis, je crois que vous avez lancé le train de la... Attends, le train de la... Excuse-moi, j'ai pas entendu Kirby, tu m'as dit le train de la... Oh putain, Jardin Peach sur DS. Oh, j'ai des souvenirs de lounge sur Mario Kart Wii, ignoble. C'était des salles sur MK Wii où tu te retrouvais qu'avec les meilleurs joueurs, tu vois. Et cette map, elle me faisait tellement rager parce que je me faisais mais tellement baiser. Vous savez que Mario Kart, je le place dans mon top 3 jeux les plus rageants de toute ma vie. Vous allez foutre de ma gueule, mais Summoner's War. Summoner's War, mais ma femme me déteste. RTA, ça met les nerfs à rude épreuve. Arène, vous l'avez vu hier avec le Rush Hour. Mais alors attends... Attention en siège, hein. Attention en siège, de toute façon quand je vais faire un siège je vais dans mon bureau et je m'enferme. Non, parce que sinon je peux aller en tol. Oh, ils ont changé la route. Oh, c'est un banger. Oh là 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 là. Oh, les dents jaunes. Oh là. Mon prime. Oh mais attends, mais frère, je suis en fin de vie. T'es mal à taille du bras, gros. C'est un drame. Je sais pas, on dirait que je suis une figurine pop figurant dans la liste de Schindler.
Je t'avoue quelque chose, Chloé. Ma femme, elle supporte plus trop que je travaille ici. Si elle t'aime, pourquoi elle veut que t'abandonnes ta passion? Oh, peut-être parce qu'il a trompé. Je sais pas, enfin, je peux... Voilà. T'as peut-être pas toutes tes infos, je crois. Bah, c'est comme ça. Elle doit avoir ses raisons, mais moi, tu seras mon homme. Et bah, je t'encouragerai à continuer. Oh là là, mama, si t'as déjà commencé ta phrase par « Moi, tu serais mon homme ?» Dans le chat, les hommes, avec un grand Z, vous êtes dans cette situation-là. Petit 1, vous lui bouffez le cul. Petit 2, vous êtes marié? Non! Moi, je fais le petit 3, là. Vous savez que ça, c'est l'os le plus dur du corps humain? Directement dans l'arcade. Je lui explose sa mère contre le canapé, je pars en courant, je dis qu'elle m'a agressé sexuellement. Je garde mon métier, je garde ma femme, et en plus, je prends des dommages et intérêts. Je viens de parler avec le fils, là. Mmh. Il parle d'une cabane cachée ou d'un truc de magicien. Mmh. Il faut mettre une casserole sur la tête et courir dans la cheminée. Ouais, c'est courant. Il y a du monde, hein, pendant la cuisine. Les gens travaillent, quoi, vraiment. Ok, je commence à taper dans les mains. Hop, 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 hop. Vive, contrôle surprise, assistance sociale. Vous allez montrer directement vos slips et je fais sortir tout le monde avec moi. Je les fais tous sortir avec moi, je les contrôle un par un. Et celui qui veut pas, je lui casse la gueule. Johnny, c'est toi qui contrôle les slips. Bah, me demande si l'odeur ne vient pas de cette cuisine. Effectivement, commence premier. Monsieur, c'est du frigun. Non, 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 ça c'est dehors. 90 euros, 3 points. Côté. J'ai reçu des milliards de propositions loupées là. J'étais en vacances et vas-y que le téléphone sonne tout le temps. Allô Gigi, ça te dirait de gagner 10 millions d'euros? Je dis non les gars, je peux pas, je suis en vacances, je suis dans le toboggan avec ma fille. Je raccroche, je reçois un autre coup de fil. Allô Gigi, ça te dirait de te faire Céus? J'ai dit non, je peux pas, je me fais déjà Céus. Hop. Allez. Allez putain, Johnny, aide-moi. Pas une étincelle! Non, c'est trop. Pas une étincelle! Non, c'est drame, c'est le drame! C'est comme ça, Johnny. Ah, Johnny! Oh non, la pire session! Non. Non, c'est possible ça? C'est possible, 35 vélins? Oh. 35 vélins? Aucune étincelle? Question vite F, Gigi, avant d'acheter une voiture électrique, y'a quoi à savoir? Bah, tu peux pas mettre d'essence dedans, quoi. Du coup, je pense que les proches. Ouh, quelle est bonne! C'est une vieille. J'avais oublié ça. C'était une vieille, mais vraiment EHPAD avec un petit chien dehors. Et je savais que ça allait le lancer. Pourquoi on n'a pas un parc indoor gigantesque comme ça en France, en vrai de vrai? Attends, je vais mettre pause quelques instants là. Il y a vraiment deux personnes qui ont parlé d'Aqua Boulevard ou je suis en train de rêver? On parle bien du parc où il y a des gens qui ont chopé une hépatite en buvant la tasse et il y a une femme qui a accouché dans les vestiaires. Bon, après, voilà, c'est pas. Alors toi, t'es vraiment un beau salaud, hein? Ça va, oh, calme-toi. Il a tout dit, connard. Oh là, tu tapes sur la main, on est vilaine comme ça. Eh oh! Ah mais non, t'es un beau salaud, hein? Oh le beau salaud! Vilain guerrier! Oh le vilain guerrier! Bonjour, bah j'ai 30 ans aujourd'hui, mais non! On souhaite un bon anniversaire à Nicole Kutch qui fête 30 ans dans le chat! Voilà. J'espère que t'as kiffé, mec. Happy birthday to you. La map glisse. Ah oh bah oui, oui. Tu vois ça, mon ami? Ah oh bah oui, bah pousse-moi, bah tiens. Bah, emmenez-moi. My head's on the water. Mais écoute, John... Imagine vraiment tu te fais sécu là. C'est le prime de YouTube ça les gars, je vous le dis. Mais on va parler en euros du prix moyen d'un tailleur haute couture. Les gars, moi j'y connais rien, je vais dire le prix moyen. 48 000 et quelques. 520. Vous avez... Ouais, l'alcool tape déjà très très fort là ou c'est moi là? Ouais non mais on va rester, je vais rester avec ma chemise de Crocodile Dundee, hein, moi ça me va très bien. Mon cher Gigi, c'est bien des bottes, mais on a besoin d'un joueur pour IT à 21h. Non, c'est vrai? Est-ce que c'est mon retour, hein, c'est mon retour en compétition ou je dois enfiler ma blouse? Allô? Coucou mec. Oh là là, mais ça coule la légende! Vous avez besoin de moi, vous avez activé le bas de signal. Alors là, on a vraiment... là, c'est téléphone de tiroir. Hein. Ah bah merci hein. Là, c'est vraiment qu'ils sont au bout du rouleau, il leur manque quelqu'un. Le génie du Blitz, Jiraiya compilation. Waouh, alors là, j'ai envie de m'étonner là, tiens. Nique ta mère! Voilà, c'est dit! Oh!
gros. Oh putain, on peut plus, gros. C'est qui ce gars, quoi? Jeanne accueille comme il se doit ses nouveaux clients. Alors là, vous avez un placard à disposition. J'ai cru qu'il était en mode, bah c'est parti. Ah, vous allez nous laisser parce que là, on a fait 6 heures de route, quoi. Je peux vous dire que le levier de vitesse, il est coincé en 6e, donc on y va. Sur la table, vous trouverez des brochures qui vous... Attends, ils sont vraiment en train de faire ça. C'est très très bizarre de faire ça, non? Non mais moi j'étais en train de vanner, frérot. Faut pas écouter tout ce que je dis, parce que lui, il est vraiment pris à ken, là. J'essaye d'arracher la grille pour voir s'il n'y a pas quelque chose là-dedans. C'est ultra solide. On est sûr de ça. Si je puis me permettre, j'ai dégâts collatéraux, quoi. Je peux me frayer un chemin à travers quasiment n'importe quoi. Bah vas-y, go, fais-le. Je le tente. La vie de ma mère, je le tente. Ah. Ça marche pas du tout. Et vous, Thomas? Je suis lycéen en premier ACT à Châtillon-sur-Seine. Bah du coup, là, ça fait combien d'années qu'il est en première ACT? Lui, il pose la marque, hein, faut faire gaffe. Ah. Ah ouais, c'était violent, son. Je suis 6. Je fais 1. Je suis 3 avec 3. Gigi, si tu veux, il y en a un derrière toi, tu peux back, okay. Si tu veux, je suis en star. Ok. Sans deux, hein. Enfin, devant toi, enfin à ta gauche. En fait, c'était tellement pas clair que quand le mec est passé, j'ai cru que c'était toi qui passais, que tu me disais attends, il est passé derrière, parce que moi, j'aurais pu l'avoir en plus. T'étais déjà avec ta femme là? Non, c'était n'importe quoi là. Là j'avais 6 meufs différentes, je baisais tous les soirs, c'était n'importe quoi. Ouais non, si j'étais déjà avec ma femme. J'y suis avec ma femme depuis 2000... J'étais déjà avec ma femme. Ah, il y en a un deuxième. Attendez. Il y a un deuxième jupon, d'accord, très bien. Okay. Un troisième jupon. Et il y a la petite culotte. Et il y a la grosse... La petite culotte qui arrive jusqu'au genou, hein, les gars. Ça, vous savez que là, ce qu'elle fait là, en 1700, en 1600, en 1500, il aurait traité de... Oh, la salope! C'est indécent, ce que vous faites. Combien de glands produit en moyenne un chêne chaque année? 200. 200 glands. Allez, David, là, attendez combien, David? 50 000 et des poussières. 50 000 et des poussières, la réponse, David, est de... 50 000 glands. Eh ben, dis donc, ça en fait des bouches à nourrir, hein. Malheureusement, un pote de Sambali s'en va. Eh, voilà. Oh, non, soyez pas triste, Sambali, c'est pas grave. Je sens que vous broyez du... Non mais... Oh là là, l'erreur! Elle lui a touché le crâne et t'as tous les mecs derrière! Oh, il est de notre... Alors préparez-vous, hein, préparez-vous, parce que là, sur le trailer, quand j'ai tourné, j'avais encore des cheveux longs. Mais du coup, je m'étais coupé les cheveux. Ma coupe, là, c'est le drame. Et ouais, on dirait qu'il y a marqué trou érection. Et non, c'est marqué trou perfection, les amis. Voilà, si je puis me permettre. Entre nous, si je vous glisse un petit billet, il y a moyen de glisser un petit truc sur son dossier ou 250-500 à peu près? Moins de 4-0, tu me mentionnes pas. Ah, vous êtes de cette équipe-là. Je vous mets une enveloppe 2006 et puis vous me le virez. 90K, on n'en parle plus. Bon, allez, je vous mets 2000 pour vous deux. Et vous mets les deux dossiers de Bertrand et de William. Okay. Comme ça, vous me faites un prix de groupe. Et là, je le gifle d'une puissance. Moi, tu veux m'acheter? Fais-moi casser la gueule. V6 plus 2. La claque est si violente. Il a très peu de cheveux sur la tête, mais le peu de cheveux ont un peu décidé de s'en aller. Et en fait, il ne répond plus. Très bien. J'ai fait diversion. Vraiment, tu vois, il est. C'est ça, tu vois, il est. Vous allez maintenant entendre la question. Oh, la question. C'est pas la question co, c'est la question. Oh, c'est la question. Oh, in. La question. Hype. De la question. Oh. Pardon, oui, la question. Lui, il meurt pas. Tac. Là, on est sûr de rejouer. S'il te plaît. No fucking stand. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Comment il s'appelle cette map? J'ai pas vu. Mais ça, c'est la map de ma femme, c'est la map de Noël. Ça, faut jamais qu'on lui montre ça, on est foutu. Quel banger! Moi, j'adore Noël. Voilà, je le dis, je le redis. Je suis trop fan de Noël. J'aime trop Noël. Oh, c'est le vrai traîneau du Père Noël! Pas d'enfant? Pas de couple? Non mais please! J'étais dans le programme Save the Children ou quoi, frère? J'ai un bras, gars, j'ai un bras, je te jure que je suis choqué. Je pense que ma fille aujourd'hui est plus musclée que mon moi d'il y a 9 ans. T'es mal les bras de ouf que j'ai maintenant. Aujourd'hui, frère, j'ai un corps de rêve. Je suis trop stock, voilà, faut que je le dise aujourd'hui. J'ai un corps de fou malade. Là, il y a un mec qui veut me tester. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais le beau avec moi. Hop, je mets une patate comme ça. Là, frérot, je peux me faire mal en mangeant. Combien de fois un escargot de Bourgogne peut porter son propre poids sur son dos? J'ai mis ça, je vous dis, j'ai mis ça. Moi. Ami de la Bourgogne, vous avez répondu? 450.
t'es un peu abusé, non, quand même. L'escargot en question. Damn, les gens. Damn, les gens. C'est Escargot in Shape et c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se faire baiser par qui? Je ne sais pas. Et oui, comme vous le savez, je suis hermaphrodite. Boum, c'est ce que je vais prendre dans mon petit cul. Pas plus simple de trouver l'amour aujourd'hui avec internet, les applis et tout. Plus dur, les femmes sont folles. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ne viens pas dire les termes sur ce chat quand même. Regardez, moi je prends un exemple très très simple. Si vous souhaitez pécho une meuf, il suffit de dire que vous regardez mes lives. Par exemple, je connais un mec qui s'appelle Son Maru. On n'est plus ensemble, mais on alimente le mythe. Ah bah non, mais Son Maru, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais là tu vas me donner la bombe. Moi j'étais trop heureux, j'attendais les enfants, je voulais inviter au mariage. Qu'est-ce qui s'est passé là, Son Maru? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'as branlé? Tu étais devenu l'icône des lives, l'icône des best-of. Il y avait un storytelling, il y avait quelque chose, J'étais juste pas prêt à être en couple, c'est principalement ma faute, je pense. J'ai besoin de plus de temps. On est resté en contact pour l'instant, mais ça le faisait pas en couple pour nous deux. Putain, les gars. J'ai quand même l'impression qu'on protège un peu les tirs au flanc dans cette société. Hein. Dis-moi, vous votez Zemmour? Zemmour? Bah écoutez, mon droit de vote, ça me regarde que moi. Je note très très bien. Et vous votez qui, vous? Alors, vous allez me le dire, vous traitez fils de pute. j'ai pas du tout dit ça. Voilà, on est parti sur une très mauvaise base. La prochaine question, on va nous parler d'une reine. Ouais, Combien de centimètres au maximum ma mesurer la reine, pas des abeilles, mais la reine... Des putes. Bonsoir, tu fais quand un live sur Summoners, Gigi? Bah je sais pas, j'hésite encore. Ce raid, attention, hein, c'était quelque chose aussi. C'est Genius! Genius! Quand vous avez regardé Ip Man, est-ce que vous avez fait comment? Vous êtes allé regarder des vidéos de compétition de Wing Chun et ça a été le jour où vous avez été le plus déçu de votre vie? Les gars, ça, faut que je fasse revenir sa reine, c'est qu'on la refasse. Et voilà. J'avais oublié de vous dire, mais à l'époque les temps étaient durs, donc j'avais pris un petit boulot de serveur. Est-ce que vous êtes un peu fou comme moi? Vous aimez bien écouter des musiques tristes. Alors que ça va bien dans votre vie, tu vois. Je me fais des scénarios. Oh. Oh non, je me confie. Quand j'étais jeune, j'écoutais des musiques un peu mélancoliques et tout, nanana. Dans ma tête, je me fais des histoires de fou. J'arrive, je suis comme as, il y a quelqu'un qui embête quelqu'un, je suis là, non, laisse-la tranquille et tout. Quand j'étais... Regarde, je vous refais, moi, je rentre dans le bus. Non, j'ai pas envie trop de parler, là. Je vais juste mettre ma musique. Non, laisse-la tranquille. Lâche ça, bâtard! Et lâche ça, arrête! Et chez les insectes, c'est la reine termite et son mâle. Oh. Et elle peut mesurer jusqu'à... 15 centimètres. Les gars, je vous l'avais dit, une belle termite! La reine des termites, elle arrive, elle rentre dans le bar, et elle dit, wow, est-ce qu'il y a un mâle qui va me bouffer la chatte? Non, mais vas-y, je suis fatigué, tu sais. Hein, bah oui, bah bon, bah tu regardes. Il faut pas regarder avec les enfants. En 9, en bilan, en 12. Il y a des billes. Top 2 en fait. Oh non! Oh, mais c'est pas vrai! Mais quel jeu de merde, quoi! C'est hallucinant! C'est hallucinant, gros! Je suis 6 tranquille! Je cote! Et je me fais baiser par une random verte! C'est une dinguerie, ce jeu de fils de pute! Je suis en full sensation, qui veut venir me piper? C'est super bon, j'ai juste envie de me faire laver! Je veux me faire baiser le trou du cul! Oh ouais, alléluia! Oui, le Johnson. Il faut s'abonner à cette chaîne. Je n'ai plus d'argent, c'est triste. Je suis un parasite. J'aimerais avoir des petits sommes. Wow. S'il te plaît. Abonne-toi en tiers 1, en tiers 2 ou en tiers 3. Et peut-être que tu pourras gagner une carte cadeau de 5 euros. S'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne. Twitch n'a plus d'argent. Mais tu peux gagner une PlayStation 5 pour 16 000 euros de somme.
S'il te plaît, abonne-toi. S'il te plaît, abonne-toi.